amis de l'histoire et bienvenue dans Passé Présent, l'émission de Philippe Conrad. Aujourd'hui, Philippe, je crois que nous avons un programme très éclectique. Oui, Catherine, puisque dans un premier temps, à la faveur du 12e centenaire de la mort de Charlemagne, nous évoquerons cette grande figure de l'histoire européenne. Et puis, dans une deuxième partie, eh bien, nous reviendrons vers vous pour notre rubrique « La petite histoire dans la grande histoire ». Et vous poursuivrez le récit engagé au cours des émissions précédentes concernant Matari, la célèbre espionne de la Première Guerre mondiale. Et puis, dans une troisième partie, celle réservée à notre invité, eh bien, nous accueillerons Jean-Joël Bréjean, spécialiste de l'histoire de la Révolution et de l'Empire, avec qui nous évoquerons la campagne de France de 1814 et la chute de Napoléon. Mais tout d'abord, nous allons donc nous pencher sur ce 12e centenaire de la mort de l'empereur à la barbe fleurie. Alors que la France entière connaissait dans les années 64 grâce à une célèbre chanson qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. Remarquez, je vous parle d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. Mais on sait quand même que ce fils de Pépin le Bref nous fit beaucoup d'ennuis et qu'il a inventé l'école. Voilà. Alors qu'est-ce qui est vrai là-dedans ? Charlemagne qui était fêté d'ailleurs dans les écoles et dans les collèges de France un certain jour de l'année parce qu'il avait cette réputation d'avoir inventé l'école. Je crois que c'était inventé bien avant. Oui. Charlemagne, c'est un personnage évidemment qui a profondément marqué l'histoire européenne, un personnage de grande envergure qui a créé le premier empire européen, qui ensuite, tout au long des siècles qui ont suivi, a été perçu effectivement comme un personnage fondateur dans l'histoire de notre continent, ce qui justifie tout à fait aujourd'hui que l'on se penche sur ce que fut son histoire et ce qu'a été son legs à l'histoire européenne. Alors, c'est quand même une figure un petit peu ambiguë, à la fois un conquérant, un saint, et puis il a quelques morts sur la conscience. Voilà, tout à fait. Il y a des images, on pourrait dire, contradictoires de Charlemagne. L'image, effectivement, d'un conquérant, d'un chef de guerre, qui, par la force, en additionnant des campagnes à la périphérie du domaine franc, a constitué l'espace impérial que l'on sait, qui s'étendait de l'Atlantique jusqu'à l'Elbe, et depuis les frontières danoises ou les rives de la Baltique jusqu'à Barcelone. En même temps, c'est un personnage à qui l'on doit ce que l'on a appelé la Renaissance carolingienne, c'est-à-dire un renouveau culturel important après les siècles sombres du haut Moyen-Âge, les siècles sombres qui ont suivi la chute de l'Empire romain d'Occident. C'est un personnage qui a christianisé du fait de ses conquêtes toute une partie de l'Europe. En même temps, il l'a fait de la manière la plus brutale et pas d'une manière très, très évangélique. Donc un personnage contrasté, un personnage ambigu, bien sûr, que ce grand souverain carolingien. Alors d'où vient-il ? J'ai dit en plaisantant que c'était le fils de Pépin le Bref, et on a tous en tête Berthe au Grand-Pied, les enfants connaissaient ça. Après les Mérovingiens, qui terminent en roi fainéant, ce sont les maires du palais qui prennent le pouvoir. Charlemagne, il est issu d'une lignée importante de maires du palais, originaire de la partie du royaume franc que l'on appelait l'Austrasie, qui correspond en gros à la partie orientale de la France et à la Rhénanie d'aujourd'hui. Le plus célèbre de ces maires du palais, bien sûr, c'est Charles Martel, connu pour la victoire qu'il remporta à Poitiers contre les envahisseurs musulmans, même si beaucoup s'efforcent aujourd'hui d'oublier cet épisode majeur pourtant de notre histoire
et de l'histoire de l'Europe. Charles Martel n'a jamais régné à proprement parler, mais il était l'homme fort en quelque sorte du royaume franc à un moment où les derniers souverains mérovingiens effectivement n'étaient plus du tout à la hauteur de leur taf ou de leur mission. C'est donc une lignée nouvelle qui va s'imposer avec le fils de Charles Martel, Pépin le Bref, qui lui succède en 751 et qui de plus, et c'est très important, va recevoir en 754 l'onction pontificale parce que le pape Étienne se déplace même à Saint-Denis pour sceller en quelque sorte une alliance décisive entre le royaume franc et la papauté qui à l'époque doit se défendre contre la menace des Lombards en Italie. Et puis, fils de Pépin le Bref, Charlemagne, qui a dû dans un premier temps partager l'héritage de son père avec son frère Carloman, va se retrouver le seul souverain après la mort de ce dernier. Et à l'issue, au cours d'un règne qui va durer 46 ans, en fait, il va bâtir l'empire que l'on sait, qui d'une certaine manière correspond à une première image de l'Europe telle qu'elle se constituera, telle qu'elle se développera par la suite. Et il est tout à fait d'ailleurs significatif qu'aujourd'hui encore, certains discours politiques ou médiatiques évoquent dans les débats actuels sur l'Europe le souvenir de cette Europe carolingienne constituant une sorte de noyau central que certains espéreraient d'ailleurs voir se reconstituer aujourd'hui dans le contexte général de la crise qui est celle de l'Union européenne. Alors, Charlemagne, donc, roi franc, un souverain franc, qui va même accéder, on le sait, au titre impérial en 800, quand le pape Léon III va lui conférer ce titre impérial, le sacré empereur, à la Noël de l'an 800 à Rome, ce qui constitue en quelque sorte l'apothéose de cette aventure personnelle qui a été celle du souverain franc. C'était quand même un chrétien musclé, parce que... bon, je sais que sa canonisation, c'était peut-être un peu de complaisance, on va dire ça comme ça. C'est un conquérant, hein, c'est un chef de guerre, absolument, redoutable. Comme l'était la plupart des chefs francs à l'époque, au cours de ces siècles-là, qui sont des siècles marqués, bien sûr, par une situation conflictuelle d'une très grande violence. Charlemagne, c'est un chef de guerre. Tout au long de son règne, il va additionner les campagnes, remporter toute une série de victoires, parfois un petit peu laborieuses, dans toutes les directions, en fait. Hein. On va le voir se tourner contre les Lombards en Italie et conquérir, de fait, toute la partie septentrionale de la péninsule italienne, établir l'alliance que l'on sait avec la papauté, qui va recevoir à cette époque carolingienne les fameux territoires qui seront les États de l'Église jusqu'au XIXe siècle. Mais on va le voir aussi s'avancer vers le sud, en Espagne, où il va lancer une expédition en direction donc de l'Espagne qui est musulmane depuis le début du 8e siècle dans la majeure partie de son territoire. Une expédition dont les résultats ont été assez mitigés, puisque après les opérations lancées contre Pampelune en Navarre, eh bien, le retour se passe dans des conditions un petit peu difficiles et tout le monde sait ce qui intervient à ce moment, lors du passage du col de Roncevaux, quand les montagnards basques vont s'en prendre à l'arrière-garde de l'empereur, ce qui évidemment verra se dérouler l'épisode qui donnera naissance ultérieurement à la chanson de Roland, qui à partir du XIe siècle va devenir l'un des monuments en quelque sorte de l'épopée médiévale. Et puis c'est plutôt le fils de Charlemagne, Louis d'Aquitaine, le futur Louis le Débonnaire, qui marquera vraiment des points dans cette direction, puisque
puisqu'en 801, au tout début du IXe siècle, eh bien, il va réussir à constituer la marche d'Espagne, à pousser jusqu'à Barcelone, jusqu'au Rio de Obregat, qui est au sud de cette ville, pour constituer au-delà des Pyrénées une base de départ, en quelque sorte, qui sera l'une des bases de départ de la Reconquista à venir, hein, qui se réalisera à partir du royaume asturien du côté de l'ouest, mais aussi à partir de cette marche d'Espagne appelée à devenir le comté de Barcelone et à s'unir ensuite au futur royaume d'Aragon. Et puis la conquête carolingienne se tournera aussi vers le nord, en direction du Danemark, dans les régions de la Nord-Allemagne, dans ces régions-là, et puis surtout vers l'est, contre les Saxons. On connaît les campagnes répétées contre les Saxons, qui constituent un adversaire redoutable, qu'il faut traquer dans les forêts profondes de la Germanie d'alors, mais Widukind, le chef saxon, finira par se soumettre, et c'est par le fer et par le sang que les Carolingiens s'imposeront dans ces régions. Également, plus au sud, en direction de la Bavière, encore plus loin vers l'est, vers les régions du plateau bohémien, vers des régions comme l'actuelle Slovénie, vers les régions également de la grande plaine hongroise, où il s'agit d'aller repousser les envahisseurs avares qui annoncent les futurs nomades magyars qui menaceront l'Empire après la mort de son fondateur. Donc un conquérant, je serais tenté de dire tous azimuts, qui va bâtir un espace territorial tout à fait impressionnant, puisqu'il va, je l'ai dit, depuis le nord-est de l'Espagne jusqu'aux frontières danoises, et puis depuis les côtes atlantiques jusqu'au plateau bohémien et jusqu'aux régions correspondantes aujourd'hui à la Slovénie et à la Croatie. Donc un espace territorial tout à fait impressionnant qui va constituer l'empire carolingien au moins pour quelques décennies. Et oui, et un empire d'une taille pareille, il fallait une administration très solide. Alors là aussi, on a tous en tête les Missi Dominici. Voilà. Qu'en était-il ? Il arrivait à gérer cet immense territoire Il y est parvenu pendant la durée de son règne, du fait de ses victoires, du fait de la supériorité militaire que les Francs ont su maintenir. Hein, il dispose d'une armée très puissante, une armée qui peut lui fournir à peu près 20 000 cavaliers lourds, une force de choc, une force de rupture qui fait la décision à l'époque dans les batailles, mais aussi plusieurs dizaines de milliers de piétons, de fantassins. Il y en a à peu près près de 40 000 qui sont engagés, cavaliers et fantassins, dans la campagne menée dans le bassin danubien contre les Avars, par exemple, à la fin des années 790. Donc une force militaire organisée de manière régulière, disciplinée, c'est ça principalement l'instrument de la puissance de Charlemagne. Une fois un certain nombre de peuples ou de souverains périphériques soumis, eh bien effectivement, Charlemagne, parmi ses proches, va désigner un certain nombre d'envoyés, de représentants. Ce sont les fameux Missi Dominici que nous a raconté le petit Lavis pendant longtemps. Hein, mais qui ont contribué effectivement au maintien de cet empire. Ce qui est important aussi, c'est que cet empire, il repose sur une certaine idéologie. Hein. Charlemagne, c'est un roi prêtre. Il a reçu l'onction pontificale, c'est un rex sacerdoce. C'est un roi prêtre un petit peu que l'on peut comparer à ce qu'est, à la même époque, à certains égards, l'empereur byzantin. Le pape dépend largement des bonnes volontés de Charlemagne. Hein. Quand Léon III va le couronner empereur à l'an 800, Léon III, manifestement, il est subordonné à la puissance politique que représente l'empereur franc et qu'il garant de la sécurité, en fait, de la papauté à l'époque. C'est un modèle impérial qui va de fait être remis en cause au cours des siècles suivants, hein, puisque nous verrons à partir du XIe siècle, avec la réforme d'Orléans,
grégorienne, avec la lutte de ce qu'on appellera le sacerdoce et l'empire, avec les investitures, etc., on verra apparaître un conflit entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel, qui sera d'ailleurs un élément très important dans ce que sera ensuite l'évolution de l'Europe médiévale, mais qui de fait n'existe pas à l'époque de Charlemagne, qui est véritablement l'empereur-prêtre. Empereur-prêtre, Philippe, je ne voudrais pas être désagréable, mais enfin, quand on regarde un peu sa vie privée, il a eu un nombre de femmes absolument considérable. Elles ont des prénoms sympathiques, hein. Ilmiltrude, Hildegarde, Falstrade, Luitgarde et Désirée, ça va, mais celle-là, elle n'était pas belle et il divorce. Bon. Mais, et puis toutes ses concubines, roi prêtre, moi je veux bien. Oui, mais je vois, vous laissez cela tenter. Cela ne nous regarde pas. Chère Catherine, par l'histoire dans sa dimension anecdotique. Charlemagne a incarné en quelque sorte, en son temps, une sorte de confusion du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel qui vont s'opposer ensuite, après le passage de l'an 1000, au cours du XIe siècle, avec les confrontations que l'on sait entre la papauté romaine et les différents souverains, l'empereur germanique bien sûr, mais aussi Henri II Plantagenet d'Angleterre, mais aussi bien sûr les souverains français, on pense notamment à Philippe Auguste, plus tard à Philippe le Bel. Alors c'est quand même une première renaissance pour cette Europe. Oui, parce que derrière l'image brutale et conquérante, militaire si l'on veut, du personnage, cette époque est marquée par ce qu'il est convenu d'appeler la Renaissance carolingienne. L'Occident latin, après la chute de l'Empire romain, en 476, avait connu une période de ce point de vue extrêmement sombre, une période de régression sur le plan économique, d'affaiblissement considérable des villes, une régression générale, y compris sur le plan culturel, pendant la période mérovingienne. Charles Quint, sous l'influence d'ailleurs, je dirais, d'éléments venus de l'extérieur de l'Empire, d'une certaine manière, on pense notamment à Alcuin, Charlemagne, bien sûr, excusez-moi. On pense à Alcuin qui venait des îles Britanniques. On pense à Benoît d'Anian qui venait des pays visigoths. On pense à Théodulphe qui nous a laissé l'oratoire de Germigny-des-Prés près de Saint-Benoît-sur-Loire qui était lui aussi d'origine visigothique. On pense à Paul Diacre, etc. Il a su constituer autour de lui, rassembler autour de lui un certain nombre de gens qui ont contribué à une véritable renaissance culturelle, à un intérêt renouvelé pour l'héritage de la littérature antique. C'est un premier moment au cours de ce haut Moyen-Âge de renaissance, effectivement, et le terme de renaissance carolingienne peut apparaître tout à fait légitime, tout comme ultérieurement le terme de renaissance du XIIe siècle en une époque qui viendra un petit peu après. Alors, à sa mort, là, ça se gâte, parce qu'il a plusieurs fils, mais le partage de l'Empire, ça sera plutôt au niveau de ses petits-fils. Voilà, c'est ça. À sa mort, les choses se maintiennent. Il disparaît donc en 814. Son fils Louis d'Aquitaine va devenir Louis Ier, que l'on surnomme indifféremment Louis le Débonnaire ou Louis le Pieux. Et lui va réussir à maintenir l'unité de l'Empire jusqu'en 840. Et à ce moment-là, la succession va entraîner la partition de cet Empire, puisque Louis le Pieux, Louis le Débonnaire avait trois fils, Louis le Germanique, Lothaire et Charles, que l'on connaît sous son surnom de Charles le Chauve, qui était né d'une deuxième union, et ses enfants vont se disputer. Louis le Germanique va s'allier à Charles le Chauve contre Lothaire, et tout cela va aboutir, c'est bien connu, au partage de Verdun de 843, une division de l'Empire en trois pour commencer, importante pour la suite de l'histoire européenne, puisque l'on voit déjà se constituer avec la Francie occidentale limitée à l'est par la Meuse, la Saône et le Rhône, ce qui deviendra ultérieurement la France, et que vers l'est
Est, eh bien, l'espace germanique autour de Louis le Germanique constitue le premier noyau de la future Allemagne, sachant que la zone intermédiaire entre les deux sera l'objet de toutes les disputes territoriales et de toutes les rivalités qui suivront. Physiquement, c'était un géant par rapport à ses contemporains. C'était physiquement, manifestement, c'est un colosse. C'est important cette époque où la force physique, la valeur militaire sont évidemment décisives. Cette taille physique, bien sûr, c'est un élément qui a compté dans la construction de la légende de Charlemagne que Nithard baptise d'ailleurs vers 840 Charles le Grand, ce qui donnera son nom ultérieur de Charlemagne, sur lequel il est connu, un Charlemagne qui sera récupéré en quelque sorte à la fois par la France et par l'Allemagne ensuite quand les nations européennes constitueront leur propre récit national. Eh bien, nous allons maintenant marquer une courte pause. TV Liberté, deux notions jusqu'à présent totalement antinomiques. Enfin, un nouveau média, celui qui nous manquait, un média libre. Bravo à TV Liberté, la force de l'image, c'est ça qui nous manquait. Nous retrouvons Matahari. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois, nous l'avions laissé à la fin 1916, engagée, croyait-elle, par le capitaine Ladoux pour être espionne pour la France. Le capitaine Ladoux, lui, n'est pas très chaud et lui dit en gros, ma chère, retournez chez vous en Hollande, on vous écrira. Et elle se dit, non, je vais aller en Belgique, donc Belgique occupée par l'Allemagne. Elle avait un ancien amant, elle restait toujours en très bon terme avec ses amants, c'est au moins quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever. Et elle avait un ancien amant qui connaissait le général von Bissing, qui était le gouverneur général de la Belgique occupée. Et alors on a le texte exact qu'elle écrit, c'est avec, en français, et elle dit « je vais organiser un thé, j'aurai une toilette épatante ». Je fréquenterai tout le grand état-major et je ne vous dis que ça dans le texte. Et puis ce beau plan ne va pas marcher, tout simplement parce qu'il faut arriver en Belgique. Alors de Paris, n'oublions pas qu'elle est à Paris à ce moment-là, elle part en train jusqu'à Madrid, ce qui est déjà une expédition, je vous dis, de 34 ou 36 heures. Puis à Vigo, et elle prend un bateau hollandais qui s'appelle le Hollandia, pas très original, pour rallier la Hollande. Et de là, elle espère pouvoir passer en Belgique. Mais ça ne va pas se passer comme ça, parce qu'à cette époque-là, l'Angleterre a la maîtrise totale de la mer et se permet d'arraisonner les bateaux neutres, de les amener sur les côtes anglaises et là, de voir un peu quels sont les passagers. Et elle intéresse énormément les services secrets anglais, parce qu'elle est trop voyante, trop déjà connue, elle s'est déjà fait remarquer. Donc, elle voit, le bateau est arraisonné, il est amené à Falsmouth, et là, elle voit arriver une véritable escouade de policiers et de policières anglaises, ils vont même jusqu'à dévisser les glaces dans sa cabine de première classe, elle ne voyage pas sur les ponts. Elle va être sortie du bateau. Une fois de plus, elle raconte n'importe quoi, qu'elle est née à Bali, etc. etc. Ça ne passe pas du tout et elle est envoyée à Londres, où là, elle va subir un interrogatoire extrêmement sérieux. D'autant plus que là, un personnage qu'on connaît bien, c'est Louis-Ferdinand Céline, qui est au service des visas de Londres et qui va aussi la signaler comme personne dangereuse. Elle va surtout être interrogée par un homme intéressant qui s'appelle Sir Basil Thompson. Alors c'est un grand avocat, c'est quelqu'un qui a fait Eton, Oxford, qui a été même Premier ministre des îles Fidji, qui est gouverneur de toutes les prisons du royaume et qui est un homme extrêmement fin et qui se dit « cette femme-là cache un secret ». Alors dans un premier temps, il croit que c'est une espionne allemande, Clara Benedix, qui est effectivement est aussi au même moment en train de voyager entre les pays.
Il lui montre une photo de Clara Bénédix. Elle ne prend pas ça au sérieux du tout. Elle éclate de rire en disant bah, « Attendez, vous vous moquez de moi. Elle est beaucoup plus petite, elle est beaucoup plus grosse, elle est moche, c'est pas moi. J'ai jamais, jamais je porterai une robe comme ça. » Elle ne prend pas ça au sérieux du tout. Il s'acharne quand même à l'interroger avec finesse et elle finit par lui dire « Bon, je vous dis tout, je suis une espionne au service de la France. Je suis engagée par le capitaine Ladoux. » Alors, Sir Thompson dit « Ah ah, bon, ben, on va écrire au capitaine Ladoux. » Capitaine Ladoux répond « Les bras m'en tombent, je ne suis au courant de rien, renvoyez-la en Espagne. » Donc là, elle aurait dû quand même se méfier, parce qu'elle était désavouée par sa hiérarchie, si on peut dire. Elle est renvoyée comme un paquet encombrant à Madrid. Et puis là, elle n'a plus d'argent. Ladoux ne lui a pas versé un centime. Les Allemands non plus, puisque n'oublions pas, elle est l'agent H21 depuis environ un an. Donc, mais elle ne lâche pas Mata Hari, elle a une force de caractère incroyable. Elle se dit, voyons, je suis en Espagne, bon, on ne m'a rien demandé, d'accord, mais je suis à un endroit où il y a des Allemands, donc je vais espionner de mon propre chef les Allemands. Elle arrive le 6 décembre 1916 à Madrid, elle va au Ritz, toujours, hein. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande le soir même le bottin mondain à l'hôtel. Et c'est un bottin un petit peu ancien. Elle cherche le chef de la délégation allemande. Et elle voit Hauptmann von Kahl. Et elle prend sa plus belle plume et elle lui écrit « Cher capitaine, je serai très heureuse de vous rencontrer. » Il lui fixe un rendez-vous pour le samedi 9 décembre. Tout de suite, donc. Et il l'accueille, « Chère madame, je n'ai pas l'honneur de vous connaître, mais je me méfie des femmes trop belles et qui peuvent être envoyées par un ennemi. Mais je sais que vous n'êtes pas une espionne parce que vous m'avez appelée Hauptmann. Or, tout le monde sait que depuis un an, je ne suis plus capitaine, je suis commandant. Donc, si vous étiez une espionne, vous le saurez. » Donc là, aux innocents les mains pleines, elle se retrouve en présence de ce von Kahl. En fait, la particule est usurpée, c'est Kahl tout court, mais peu importe. Et elle lui fait le grand jeu tel qu'on l'imagine dans tous les films. C'est-à-dire, et elle raconte ça, on a tous les détails. Elle laisse tomber son manteau, elle joue avec ses pieds, elle lui coule des regards. Vous devez être tellement fatigué. Alors lui, il tombe dans le panneau, semble-t-il, en disant « Ah oui, vous savez, j'en ai des soucis avec cette guerre. En ce moment, je débarque un sous-marin au Maroc, vous ne pouvez pas savoir les ennuis que ça me fait, etc. Ah oui, parlez-moi de ce sous-marin, etc. » Bref, ça se passe très bien et elle revient. Elle écrira une lettre de 12 pages à Ladoux en disant « J'en fais ce que je veux, il est dans ma poche. » Elle n'a pas encore couché avec lui, hein. Premier rendez-vous. Le lendemain, toujours dans le même hôtel, elle rencontre un homme intéressant, un autre, mais côté français, c'est le colonel Danvigne. Et c'est le colonel Danvigne, c'est le patron de tout le renseignement français à Madrid. Donc, ça devrait être son chef naturel. C'est surtout un vieux beau, le colonel Danvigne. Alors, il est un peu bedonnant, il tire la jambe, il a une grosse légion d'honneur, tout ça. Il voit Mata Hari et il est sous le charme absolu. Il commence à la presser de près. Pourtant, elle avait l'habitude, hein, mais là, elle est presque gênée tellement il lui fait une cour, mais incroyable. Le lendemain, le lundi, 11, donc décembre 1916, il y a un grand bal à Madrid et Mata Hari apparaît dans toute sa splendeur avec une toilette épatante, comme elle dirait. Et alors là, Danvigne, il n'en peut plus. Vraiment, il n'en peut plus. Il est fou d'elle. Il devient même fétichiste. Il met un bouquet de violettes entre ses seins en disant « Vous la garderez toute la journée, puis vous me le rendrez, je dormirai avec. » Il lui pique un ruban dans son corset. Enfin, fétichiste, hein, carrément. Et elle, pour quand même pour le calmer un peu, parce qu'elle n'a pas du tout l'intention de coucher avec lui, je vous demande pourquoi, mais c'est comme ça, elle lui dit « Mais
je suis de la maison, hein, vous savez, je suis espionne, je travaille pour Ladoux. D'ailleurs, avant-hier, j'étais chez Von Kahl, et il m'a appris des tas de trucs. Il lui dit, mais c'est formidable, mon enfant, vous y retournez demain, vous lui tirez les vers du nez, et vous obtenez tout ce qu'il faut, il faut qu'on ait tout sur les codes, etc. Elle y retourne, et là, ça se passe beaucoup plus mal. Von Kahl est plus froid, et lui dit, ah, une jolie femme doit pas poser trop de questions, hein, quelque chose comme ça, quoi qu'il parle en allemand, tous les deux, puisqu'elle parle allemand. Alors elle revient et elle dit à Dorvigne, écoutez, vous m'avez trop pressée, moi je serais pas retournée tout de suite, j'aurais fait ça plus subtilement, si j'avais pas été intelligente, on perdait tout, etc. Il y aura quand même un troisième rendez-vous, un peu plus tard, 10 jours plus tard. Dorvigne, lui, est parti avec Lyoté au Portugal, mais il lui a dit, surtout, vous mettez la pression et il faut absolument qu'on ait un maximum de renseignements. Et là, elle obtient des renseignements, en particulier sur les codes. Alors, bon, les codes, c'est très important et très intéressant. Et elle obtient des renseignements intéressants et chaque fois, elle écrit à Ladoux qui, chaque fois, ne répond pas. Elle rentre à Paris sans savoir que Von Kahl, dès le lendemain du premier rendez-vous, a commencé à envoyer des radiotélégrammes à Berlin en disant « J'ai l'agent H21 qui est venu me voir, elle fait semblant de travailler pour les Français, en fait, elle m'a donné plein de renseignements intéressants sur la France, qu'est-ce que je fais? Elle me demande de l'argent, envoyez instruction. » Il va envoyer en tout 14 télégrammes. Ces télégrammes, on ne sait pas pourquoi, n'arriveront sur le bureau de Bouchardon que fin avril. Là, on est fin décembre. Mais ces télégrammes, c'est une condamnation à mort, parce qu'elle est tellement identifiée par Von Kahl, agent H21, avec un luxe de détails, où est son hôtel, qui elle fréquente, le nom de sa servante, Anna Lingens. C'est une véritable condamnation à mort. Mais elle ne le sait pas. Elle s'en tient à « j'ai dragué Von Kahl et voilà, je reviens avec une moisson de renseignements, je vais enfin pouvoir toucher mon million ». Elle demandait 1 million d'or à Ladoux qui n'a jamais évidemment versé un centime. Alors on avait commencé cette série, je vous avais raconté son arrestation le 13 février 1917 à l'Élysée Palace, sur les Champs-Élysées. Elle se retrouve dans une prison absolument épouvantable, qui est la prison Saint-Lazare, où elle va être dans des conditions très très dures. Elle va avoir faim, vraiment faim, parce qu'ils n'étaient quasiment pas nourris. Il y avait une espèce de soupe de légumes le matin, une deuxième soupe de légumes à midi, et le soir, un morceau de pain et une soupe claire, quoi. Et le dimanche, un tout petit peu de viande dans la soupe. Alors pour une femme aussi raffinée et aussi habituée au luxe, c'est dramatique. Et puis surtout, elle va tomber sur le pire des juges d'instruction, c'est Bouchardon. Alors Bouchardon, il est malheureux en ménage, donc a priori, il déteste toutes les jolies femmes. Et c'est pas rigolo, hein, Bouchardon, et son meilleur ami Mornay, qui sera le procureur au procès, c'est pire. Alors lui, c'est un végétarien, vieux garçon, grognon, bref, Mataré n'a aucune chance avec ces deux-là. Alors le début de l'instruction, ma foi, Bouchardon n'a pas grand-chose contre elle. Parce que, bon, chaque fois, elle a une réponse à ce qu'on lui dit. Et un jour, par contre, les télégrammes vont arriver, enfin déchiffrés, sur le bureau de Bouchardon. Alors pourquoi ont-ils mis autant de mois pour être utilisables? On ne sait pas trop. En fait, les Allemands avaient deux sortes de codes. Il y avait ce qui s'appelait le dictionnaire brun, qui était éventé depuis longtemps, les Français le connaissaient, et un qui était plus difficile à comprendre et qu'on appelait le dictionnaire vert. Alors les premiers télégrammes sont avec le dictionnaire brun, c'est-à-dire que normalement les Français les lisent sans aucune difficulté.
le service du chiffre était quelque chose de très important. Et il y avait en particulier le poète Jules Supervielle qui travaillait là, parce qu'il était polyglotte. Et puis, il fallait être malin, parce qu'évidemment, il n'y avait pas d'informatique. Il fallait voir quels étaient les signes qui revenaient le plus souvent, etc. C'est très, très important que le chiffre. Et à la fin de la guerre, les Français arrivaient à déchiffrer quasiment en temps réel, parfois même avant que le télégramme soit arrivé à leur vrai destinataire. Mais l'instruction va se terminer brutalement le 1er mai, parce que là, on change complètement de sujet. Les télégrammes sont une accusation absolument imparable. Elle nie de toutes ses forces, et puis 3 semaines plus tard, elle sera obligée de dire à Bouchardon, je vais tout vous dire, je suis effectivement l'agent H21, mais je préfère quand même la France, je vais tout vous expliquer, mais c'est trop tard, et là, la mort est au bout. Et ça, on verra ça la prochaine fois. Alors, je signale à nos téléspectateurs deux ouvrages consacrés à Matahari. Matahari, le dossier secret du Conseil de guerre, aux éditions italiques, et toujours aux éditions italiques, Matahari, autopsie d'une machination, un ouvrage de Léon Schirman. Vous pouvez vous procurer ces ouvrages à partir du site des éditions italiques ou en téléphonant au 01 30 91 25 01. 01 30 91 25 01. Merci Catherine pour cette évocation de Matahari. Nous nous retrouvons dans un instant. Chers amis de TV Liberté, dans les prochaines Perles de Culture, vous filerez au cinéma et vous verrez À l'ombre de Marie et Un week-end à Paris. Dans la rubrique Je lis donc je suis, nous écouterons le grand écrivain Guilain de Diesbach pour ses dernières mémoires publiées aux éditions Via Romana. Dans la rubrique L'art en beauté, nous avons la chance de recevoir le grand comédien Jean Pia, qui sera interviewé par Hervé Garrigou-Grandchamp. Et dans la rubrique « Touche pas à mon patrimoine », nous recevons Alain de la Bretèche, qui nous parlera de son association « Patrimoine et environnement ». Chers téléspectateurs, nous nous retrouvons donc pour la troisième partie de notre émission, au cours de laquelle nous accueillons Jean-Joël Bréjon, spécialiste de l'histoire de la Révolution et de l'Empire. Jean-Joël Bréjon, que je remercie de nous avoir rejoints. Il est venu spécialement de ses terres nantaises pour venir nous parler de son dernier ouvrage, Histoire de la campagne de France, la chute de Napoléon, paru aux éditions Perrin. Alors Jean-Joël Bréjon a commencé sa carrière d'historien, si l'on peut dire, dans les années 1980, avec un livre majeur qui a vraiment fait date, consacré à Carrier et la terreur nantaise. Et puis ensuite, il nous a donné une Égypte de Napoléon, il nous a donné un livre consacré à Napoléon et la guerre d'Espagne, il nous a donné un ouvrage consacré à Kléber, un autre consacré à la campagne de 1812, à la campagne de Russie, paru il y a 2 ans, évidemment, à l'occasion du bicentenaire. Et il nous donne cette fois une histoire de la campagne de France, la chute de Napoléon, paru aux éditions Perrin. La production éditoriale, d'ailleurs, est importante sur ce sujet. D'autres spécialistes de la question, je pense à Thierry Lenz, qui nous a donné une histoire des derniers jours de Napoléon à Fontainebleau, chez Perrin, également Pierre-François Boudon, non. Jacques-Olivier Boudon. Jacques-Olivier Boudon, pardon, je me trompais sur le prénom, qui nous a donné lui aussi une campagne de France aux éditions Armand Collin. Alors avant cette campagne de France, Jean-Joël Bréjon, quelle situation générale, que s'est-il passé entre 1812 et le début de 1814 ? Bon, alors, sans s'éterniser sur la campagne de Russie, la grande armée engagée en Russie a été complètement anéantie.
Et Napoléon n'a pu extraire de ce qu'il avait envoyé en Russie que maximum 30 000, 40 000 hommes. Il lui a fallu donc depuis Paris reconstituer une nouvelle armée pour cette fois-ci se battre en Allemagne, et c'est ce qu'on appelle la campagne d'Allemagne. Alors je rappelle que l'armée, la grande armée, l'armée des 20 nations engagée en Russie, c'était 600 000 hommes qui ont franchi le Niémen à la fin du mois de juin 1812. Les chiffres que vous avez donnés marquent bien l'ampleur de la défaite face à la Russie. On a des batailles de chiffres sur les effectifs engagés et surtout sur les survivants. Mais enfin, en gros, on peut dire qu'il a perdu 90% de son corps de bataille. Il va en reconstituer un considérable pour l'Allemagne. Mais cette campagne d'Allemagne, eh bien, l'oppose à la Prusse, à la Russie et désormais à l'Empire d'Autriche. Et comme vous le savez, l'épisode majeur, c'est la bataille des nations, c'est Leipzig. Et Leipzig est un échec complet qui l'oblige à se replier sur le Rhin, en bousculant les Bavarois au passage, et ensuite à se retrouver dans une situation d'encerclement. La France hexagonale, la France du départ, est littéralement encerclée à la fin de 1813. Donc, 1814 va voir se dérouler, tout du moins les premiers mois, la campagne de France. C'est l'objet de votre ouvrage. Quel est le regard particulier que vous apportez sur cet épisode, Jean-Joël Bréjon ? Alors, c'est un épisode qui a été souvent traité, c'est assez redondant. Le maître ouvrage sur la question, c'est le livre d'Henri Houssaye, 1814. Et quand on regarde les auteurs ultérieurs, on s'aperçoit qu'il a été largement pillé, ce qui est de bonne guerre, mais enfin quand même. Il s'agissait cette fois-ci d'échapper à l'histoire purement militaire et d'aborder cette campagne de France dans son contexte diplomatique, avec les enjeux géopolitiques, et puis d'autre part, considérer l'état de la société française, aussi bien les militaires que les civils. Car si l'on n'aborde pas ces points-là, eh bien, on réduit la campagne de France à ce qu'il faut bien reconnaître être des prouesses de Napoléon sur le plan purement militaire, mais qui n'ont servi à rien. Et donc on ne comprend pas très bien pourquoi Napoléon a échoué complètement et perdu le pouvoir. Et en général, à ce moment-là, on attribue cela au climat délétère de la France, et en particulier la trahison des grands dignitaires et des maréchaux autour de Napoléon, devenu un homme seul. Nous verrons dans un instant ce qu'il convient de penser de cette interprétation. Tout d'abord, pouvons-nous rappeler comment se présente le rapport des forces au début de l'année 1814, au moment où va commencer la campagne ? Il est calamiteux. On peut dire qu'en gros, Napoléon n'a jamais pu disposer d'un corps de bataille supérieur à 50 000 hommes. En face de lui, il a 10 fois plus d'effectifs. On a trois masses, l'autrichienne, la prussienne et la russe. Et en arrière-plan, on a depuis l'Espagne, les Anglais de Wellington, on a en Italie où Murat a tourné sa veste, et d'autres affaires encore connexes. En conséquence, le rapport de force est totalement défavorable, et en plus, il faut parler de la qualité des hommes. Alors, on a glorifié à juste titre les Marie-Louise, mais ce sont des garçons qui n'ont aucune expérience militaire et qui doivent littéralement apprendre sur le tas à armer un fusil, à se déplacer dans le silence, à obéir aux ordres, etc. Quel âge avaient-ils, ces marins ? Ils ont l'âge de l'impératrice, c'est-à-dire qu'approximativement, ils ont 18, 19, 20 ans. Ce sont de très jeunes garçons, et on est allé les chercher un peu partout. On a gratté les fonds de tiroir, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que les lois de conscription qui remontent à la Révolution, on pense à la levée en masse de 93, mais surtout à la loi Jourdan de 1798, Napoléon n'a pas eu besoin de les mettre en œuvre complètement. Il ne recrutait qu'en fonction des besoins, ce qui fait que c'était à peu près, dans les années précédant la campagne de Russie, c'est à peu près le quart de la ressource qui était réellement mobilisée, qui était réellement appelée aux armées. Mais comme vous l'avez signalé, les énormes pertes de Russie ont fait qu'à partir de 1813, on fait appel aux fameux conscrits de 1813, tels que l'évoquait Hermann Chatrian. Sur le papier, ça donne des effectifs encore importants, mais dans la réalité, compte tenu de l'insoumission, très bien traité d'ailleurs par Alain de Forest, compte tenu aussi de la médiocrité physique de beaucoup d'appelés, ça ne donne pas quelque chose d'extraordinaire. Et puis il y a l'encadrement. L'encadrement subalterne et l'encadrement des officiers supérieurs. Ils sont morts en Russie, ils sont morts en Allemagne, ils sont morts en Espagne. Le renouvellement ne s'est pas toujours fait. Et puis vous avez le vieillissement du très haut commandement. Je pense effectivement au maréchal.
Alors, ce rapport de force est donc tout à fait défavorable. Quelles ont été les principales étapes de la campagne, les principaux moments significatifs ? Napoléon quitte Paris le 25 janvier. La campagne va durer finalement 2 mois, février-mars. Il va d'abord se tourner vers les Prussiens de Blücher et parfaitement percevoir et anticiper tout ce que fait mal Blücher, qui a finalement disloqué son corps de bataille, et il va s'en prendre à chaque partie au fur et à mesure. Et alors là, on a cette semaine évidemment extraordinaire de succès tout à fait inespéré, Vauchamp, Champaubert, Château-Thierry, Montmirail, etc. Ensuite, il va se retourner contre les Autrichiens, et les Autrichiens qui sont menés par Schwarzenberg, qui n'a pas du tout... Alors, Blücher, c'est le maréchal Borvat, hein. il fonce, mais il est quand même très âgé et il est très fatigué. Et puis, Schwarzenberg, c'est le prince diplomate, voilà. C'est un type prudent. Il a pourtant été le grand vainqueur de Leipzig, mais il a une trouille profonde d'affronter Napoléon en direct. Et bien entendu, Napoléon cherche la bataille de rupture, la bataille décisive, et il ne l'aura pas. Alors, certains succès. Malgré sur ça, à Montreux, par exemple, qui est tout à fait remarquable. Et on assiste à ce moment-là. Alors, on voit, il y a un temps creux, si vous voulez, qui se situe à la deuxième quinzaine de février, où les alliés, les coalisés, doutent d'arriver à Paris. Et on engage des négociations, qui sont des négociations un peu en porte-à-faux et un petit peu... qui ne servent à rien, à Châtillon, qui ouvre une très vague perspective, mais très très vague, de négociation. Le malheureux Caulaincourt va s'épuiser, d'ailleurs. En fait, tout cela est dépassé parce que le temps de retrait passé chez les coalisés, ils vont revenir à l'assaut, et ils reviennent avec des forces fraîches, avec des éléments beaucoup plus importants. Napoléon n'arrive pas à reconstituer. C'est ce qu'on appelle les victoires à la Pyrrhus, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il perd des hommes, c'est beaucoup plus grave pour lui que pour le... Les coalisés ont surtout cherché à gagner du temps. Voilà. C'est un petit peu ce qui s'est passé pendant la campagne d'Allemagne, après les premiers succès qui ont été remportés en Allemagne au printemps 1813. Il y a eu un armistice, l'armistice de Pleiwitz. Ça a permis aux Alliés de gagner du temps, ça a laissé le temps à l'Autriche de préparer son intervention, et au bout du compte, Napoléon se retrouve dans des situations bien plus difficiles à l'automne 1813. C'est un petit peu un scénario. C'est ça. Analogue. Et puis alors, vous avez les chefs, Blücher, Schwarzenberg, Barclay de Tolly pour les Russes, mais vous avez aussi les souverains. Et les souverains, ils n'ont pas l'empereur d'Autriche, qui est le beau-père quand même, n'a pas la même... Et le grand-père du roi de Rome. N'a pas exactement les mêmes intentions, n'envisage pas les mêmes perspectives que Alexandre le tsar, qui lui quand même vient là pour se venger de l'invasion de son pays. Quant aux Prussiens, je ne vous en parle pas, ils sont abîmés par une rage considérable contre nous. Là, ils sont tout à fait dans l'esprit de revanche. Plus les Anglais, qui sont là pour, évidemment, ménager leurs intérêts propres. Oui. Alors, une coalition comme cela, ça donne des temps d'hésitation. Mais l'affaire était jouée. Oui. L'affaire était jouée. Et la coalition se ressoude avec le pacte de Chaumont. Tout à fait. Ah. Qu'on anticipe d'ailleurs, qu'on antidate, qui est un pacte de condamnation à mort de Napoléon, puisqu'il n'est pas question de s'arrêter. C'est ça, c'est la conférence de Téhéran pendant la Seconde Guerre mondiale entre les Alliés. Donc, l'idée développée dans une certaine historiographie que je qualifierais un peu méchamment de napoléonate, comme quoi l'empereur aurait pu tout redresser, etc., c'est quand même... Oui. C'est une erreur. Le rapport de force était évidemment impitoyable. Est-ce que les Alliés ont vraiment l'envie de prendre Paris à tout prix ? Ah ben quand même, c'est un objectif. C'est un objectif, et c'est là aussi peut-être qu'on peut reprocher à Napoléon, c'est toujours facile de reprocher après, une faute politique majeure, c'est-à-dire d'avoir confié la défense de Paris à son frère aîné, Joseph. Alors en même temps, Napoléon commet peut-être cette erreur politique, mais vous avez stigmatisé, il y a un instant, les napoléonates, mais Napoléon réalise là quand même, sur un plan purement technique, militaire, l'une de ses campagnes les plus étonnantes, étant donné le rapport de force dans lequel d'ailleurs, il est. On a l'impression qu'on se retrouve à l'époque de la première campagne d'Italie, où il bat successivement toutes les armées autrichiennes qu'on lui envoie. J'invite mes lecteurs, si des fois j'en ai, à lire l'annexe que j'ai consacrée à Clausewitz, qui, après la campagne de 1812-1813, traite de la campagne de 1814, et il rend hommage
au génie stratégique de Napoléon. Ce n'est pas discutable. Je crois qu'il faut insister sur la mobilité qu'il s'est donnée à ses troupes. Hein. C'est un maître du mouvement, comme il l'avait été pendant la campagne d'Italie de 1796-97. Et je crois aussi l'importance qu'a revêtue durant cette campagne la qualité et la rapidité du renseignement. Tout à fait. Il était très, oui, bien renseigné, très bien renseigné au fur et à mesure de l'évolution des forces ennemies. Et l'engagement physique. Ça, c'était décisif. J'ajouterais l'engagement physique, car dans d'autres batailles, il prenait du recul, c'était bien nécessaire, et là, il est au premier plan. Oui. Il est au premier plan, on a l'impression que c'est un petit peu Arcole qui recommence. Voilà, hein. C'est ça. Non, ça, la force de caractère, l'énergie, la bravoure de Napoléon sont indiscutables. Et puis le coup d'œil, la vista, dans l'action, dans la conduite de la bataille. Bien c'est sûr. Quand même un baroud d'honneur. Oui, ça ressemble un peu à un baroud. Bien sûr, oui. Alors, il y a la question que vous évoquiez tout à l'heure. Qu'en est-il de ce que l'on a appelé, sans doute un peu vite, vous allez nous le confirmer, la trahison des maréchaux? Parce que certains considèrent que si le génie a été vaincu, c'est parce qu'il a été trahi. Qu'en est-il réellement, si on se penche sur la période? On a des traîtres virtuels et des traîtres effectifs. Bon, mais même quand on regarde le cas le plus pendable, Marmont. Mm-hmm. Mais Marmont s'est battu remarquablement jusqu'au bout, y compris pour la défense de Paris. Alors ensuite, il n'avait peut-être pas une tête politique extraordinaire. Il a été manipulé par Talleyrand et il a retourné sa veste. Mm-hmm. Mais moi, je parlerais plutôt des carences. Hein. Mm-hmm. On a un cas pendable, c'est Augereau. Augereau qui aurait pu faire quelque chose de pas un esprit de grande envergure. Mais non, et puis visiblement, Augereau, il a jeté l'éponge. Mm-hmm. C'est clair, c'est net. On a Victor qui lui aussi n'est pas. Ça, c'est, vous comprenez, c'est un peu la mythologie qu'on a entretenue en France à propos du Premier Empire sur les maréchaux. Mm-hmm. Les maréchaux, leurs qualités sont très inégales. Il y a un grand maréchal, il y a Davout. Davout est enfermé à Hambourg. Bon, on a Suchet, qui est un type remarquable. Mais lui, il est du côté de Barcelone. Même Soult, bon, sa campagne d'Espagne. Il faut voir aussi les effectifs qu'il a. Ouais. Mais on a à côté de ça des médiocres. On a MacDonald qui est très bien aussi. Oui. Donc la trahison. Et puis nous avons perdu des hommes comme Lannes en 1809, Bessières en 1813, quelques-uns qui. La trahison des maréchaux, c'est un conte aux ânes. C'est pas par là qu'il faut regarder. Il faut regarder l'état d'un pays épuisé et qui n'aspire plus qu'à la paix. Voilà, car je rappelle que nous arrivons en 1814, ça fait 22 ans, en gros, si l'on accepte le cours intermède qui a suivi la paix d'Amiens, c'est 22 ans que la France est en guerre contre l'Europe coalisée contre elle, alors des coalitions variables au fil du temps, mais la guerre est l'horizon quasi permanent de la période révolutionnaire et impériale. De petites notices, on appelle ça pompeusement prosopographique, mais c'est passionnant de voir les carrières. Les carrières sont. Ce sont des gens dans le commandement, ils ont commencé sous l'Ancien Régime. Et ils n'ont jamais arrêté. Alors, bon. Ils sont arrivés au sommet des commandements, de la fortune aussi. De la fortune. Alors, donc, d'une certaine manière, ils envisagent assez sereinement la perspective que ça finisse. Et il faudrait parler des maréchales, dames, parce qu'elles ont un rôle très très important. Ce sont des femmes. Elles sont un peu dans une situation de romaine de l'Antiquité, c'est-à-dire qu'elles gèrent le patrimoine et elles s'inquiètent beaucoup. On a des choses très amusantes du côté de la maréchale Victor, la maréchale Soult. On voit bien que ces dames disent, ça suffit, on va tout perdre. C'est pas faux. Et c'est pas toujours bien acquis, en plus. Exactement. On pense notamment au pillage de Soult en Espagne, par exemple. Ça c'était pas bien. Ou Masséna, bien sûr. Alors, ce sur quoi vous insistez, c'est que plutôt que de la trahison des maréchaux, il vaut mieux se pencher, pour bien comprendre ce qui se passe à ce moment-là, sur la politique mise en œuvre par un personnage clé de ce moment précis qui est Talleyrand. Absolument. Alors, Talleyrand, Napoléon disait « j'aurais dû m'en débarrasser ». Il ne s'en est pas débarrassé puisque, bien qu'il n'ait plus les affaires étrangères, à charge, il est toujours un des plus hauts dignitaires de l'Empire. Et il fait partie du Conseil de Régence. Et face à un Joseph Bonaparte, Joseph ne fait pas le poids. Donc Talleyrand sait très bien que la partie
est finie, hein, la partie est en train de se terminer, et lui, il prépare sa reconversion. Donc, dans tout ce qui va se passer à Paris, c'est pourquoi j'ai consacré deux chapitres sur Paris. Paris, c'est non seulement un enjeu militaire, mais c'est un enjeu politique. Et sans doute que d'envoyer l'Aiglon, le roi de Rome, et sa mère hors d'atteinte du côté de Blois puis d'Orléans, ce n'est pas forcément ce qui a été le plus approprié, parce que livré à lui-même, alors je ne parle pas des autres napoléoniques, des autres frères de Napoléon qui ne sont plus rien, Jérôme, Louis, etc., c'est épouvantable, et Joseph, il avait fait la démonstration de sa médiocrité en Espagne, et ça se poursuit. On ne va pas l'accabler non plus, parce que les moyens de défense et de résistance de Paris étaient très modestes. Il ne faut pas oublier que notre pays n'avait pas connu l'occupation, l'invasion étrangère jusqu'à Paris, depuis les guerres de religion, depuis les Espagnols. Donc la ville était difficile à défendre. Les Parisiens étaient dans un état d'esprit... pas forcément défaitistes, mais pas jusqu'au boutiste non plus. Au début, ils ont vu arriver des cortèges de prisonniers russes, prussiens, autrichiens. Napoléon est un maître en matière de propagande, donc on fait tirer les canons, etc. Les prisonniers défilent dans Paris. Donc ils ont cru à un miracle. Et puis le miracle ne venant pas, ils se sont profondément découragés. Les notables... Alors, la vraie trahison, c'est les corps constitués, créés par Napoléon. Ce sont les députés, c'est le Sénat, c'est le Conseil de Paris. C'est eux qui vont pousser Napoléon vers l'abdication. Et c'est eux qui vont s'engager dans les tractations avec les coalisés et avec les Bourbons, bien entendu. Mais on s'est battu quand même pour Paris. On s'est battu. Il y a eu des combats. La bataille de Paris, du côté tout de Vincennes, à fait. Alors etc. Il y a la geste héroïque de la barrière de Clichy. C'est un émigré français, un franco-russe, Langeron, qui va s'emparer des batteries de Montmartre. Et la bataille de Paris a tué du monde. Hein. C'est quand même pas une ville qui a été ouverte comme ça. Hein. Il a fallu la prendre. Et la garde nationale a alors, la garde bien, nationale, bien tenu. Pas vraiment, non. Parce que dans la garde nationale, c'est comme les gardes d'honneur. Tous ces gens-là sont recrutés dans la bourgeoisie haute et moyenne. L'encadrement est souvent le fait d'officiers nobles, d'aristocrates. La fidélité à l'empereur est faible. Elle est faible. – Et alors, et pendant ce temps-là, que se passe-t-il à Fontainebleau, où Napoléon s'est replié, et il y a là une vingtaine de jours là, oui, alors, décisifs ?– Cette partie, Thierry Lenz a sorti son bouquin son en livre, temps hein. que le mien, un petit peu avant. J'ai eu la chance d'avoir, il m'a communiqué ses épreuves, j'ai donc lu tout ça avec attention. La démonstration de Lenz est remarquable. C'est lui aussi, il dit non, c'est pas les maréchaux, c'est simplement que désormais, la partie ne s'est pas jouée à Fontainebleau, elle s'est jouée à l'hôtel de la rue Florentin, à l'hôtel particulier de Talleyrand, et c'est Talleyrand qui a organisé toute l'affaire de manière à mettre Napoléon sur la touche et envisager un régime de transition en attendant une possible restauration des Bourbons, mais qui n'était pas gagnée. C'était une question que nous évoquerons dans un instant. Fontainebleau où Napoléon tente de se suicider même. Alors il y a une tentative de suicide. Là aussi, Lenz a un petit peu regardé tout cela, parce qu'on en a douté à un moment donné, parce que Napoléon est un homme qui vit dans la tragédie. Il connaît les racines par cœur. Hein. Plutarque. C'est assez extraordinaire. Quand il parle de son fils, il dit c'est Astyanax, il ne faut pas qu'il ait le sort Astyanax, bref. Tout ça, c'est des références à l'Antiquité qui aujourd'hui ne veulent plus rien dire, mais qui sont la culture de Napoléon, la culture des contemporains. Et donc, on sait qu'il, pour parler un tout petit peu vulgairement, il fait du cinéma. Donc, les démonstrations, les libres propos de Napoléon, recueillis par Caulaincourt, c'est assez hallucinant, c'est assez extraordinaire. Mais il a vraiment été désespéré. Il a été désespéré. Les causes profondes, il voit bien que sa dynastie est morte. Les Napoléonides ne régnent pas. Il s'inquiète de sa femme. Pas plus que cela. Là, j'ai bien regardé la correspondance avec Marie-Louise. Elle fait ce qu'elle peut. Hein. Elle fait ce qu'elle peut et elle joue le jeu. Alors, il lui dit d'écrire à beau papa en France d'Autriche. Mais beau papa, il est déjà Metternich. Alors, ça, c'est pareil. Là aussi, si on analyse le comportement des grands diplomates, Castelrau, Metternich,
Des fois, on les imagine comme radicalement hostiles à Napoléon. Ce n'est pas tout à fait vrai. Metternich a eu une période où il subissait l'effet de séduction, parce qu'il ne faut pas oublier les capacités de séduction de Napoléon. Mmh. Et Metternich se détermine à la fin pour en finir, mais ça n'a pas toujours été le cas. Peut-être que ça l'est plus pour les Britanniques, c'est possible. Mmh. Oui, mais les capacités de séduction de Napoléon qui avait joué avec Alexandre complètement. En 1807. Alors, Alexandre est dans une posture tout à fait extraordinaire, parce qu'il veut être le magnanime, il veut entrer dans Paris, mais il ne veut pas un châtiment. On est quand même, alors j'ai envie de dire, dans une Europe civilisée, on est encore dans l'Europe des Lumières, c'est-à-dire que n'oublions pas que tous ces gens-là s'expriment en français. Alexandre à Paris parle français, sans accent. Mais les Cosaques qui déboulent à Montmartre. Oui, alors ça, c'est Hermann Chatrian, etc. C'est vrai, les Cosaques, ils font peur. Ils sont, pas sont plus rustiques. Ils sont plus rustiques que l'empereur. Ouais. Mais en effectif, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Alors, j'ai aussi beaucoup traité de la guerre des partisans, parce que l'espoir de Napoléon. C'est intéressant. Oui, voilà, c'était un point qui m'intéressait. Je l'avais envisagé pour la Russie du côté russe. Et là, j'ai voulu voir si côté français, on avait. Parce que la résistance russe à l'invasion française en 1812 est extraordinaire. Elle est prise en main par les généraux, Kutuzov, qui délègue à un type formidable qui est Davidov, et on organise une vraie guerre des partisans. Alors, en France, on n'a pas eu la même chose. Mais on a eu quand même des phénomènes sporadiques dans les départements de l'Est. Dans l'Est, assez remarquables. Avec, là, on a un livre érudit là, qui vient de sortir très pointu. Et donc, j'ai retrouvé, grâce à ce travail de compilation, j'ai retrouvé des figures vraiment intéressantes de gens, alors qui sont des demi-soldes, en quelque sorte. Ce sont des gens, la plupart, on trouve des industriels de l'Est, on trouve des militaires gravement blessés qui ont été reconvertis dans les eaux et forêts, dans les ponts et chaussées, etc. Et ils vont prendre en main des petites équipes de partisans et ils vont faire du mal aux envahisseurs. Oui, c'est ce qu'avait évoqué Hermann Chatrian. Ah, très bien, très bien. Alors j'ai mis un extrait d'ailleurs d'Hermann Chatrian. Cette action-là. C'est formidable. Ouais. Alors, il y a un front aussi dont vous parlez et qui est généralement oublié quand on évoque la campagne de France. Hein, on reste un petit peu sur les batailles de Montereau, Montmirail, Laon, etc. C'est le front du sud-ouest ou le front des Pyrénées, où là, après la défaite de Vitoria en 1813, on voit les Anglais de Wellington franchir les Pyrénées et s'attaquer à Biarritz, à Bayonne, etc. Et puis marcher sur Bordeaux. Là, c'est Soult qui est censé défendre un front de l'Adour qui ne va pas tenir très longtemps. Comment les choses se passent de ce côté-là? Alors, je pense que c'était très important de parler de cela parce que c'est le couloir d'entrée des Bourbons. En fait, évidemment, c'est important que Wellington passe les Pyrénées, entre en Pays Basque et avance donc dans le bassin aquitain. Mais il a avec lui des instructions pour faire en sorte que les royalistes du Sud-Ouest, qui sont très bien organisés en réseau, les chevaliers de la foi, etc., tout ça fonctionne très bien. Et en fait, la restauration n'a pu se faire que parce que les Anglais sont arrivés avec Beresford à Bordeaux. Et que le maire, Lynch, qui aurait dû être mis en prison par Napoléon très vite, puisqu'il avait été un des meneurs de l'opposition, va accueillir les Anglais comme des sauveurs, avec le comte d'Artois, un peu dans les fourgons quand même, le frère de Louis XVIII. Et donc, moi, j'ai pensé que c'était très important de montrer que la conclusion politique de la campagne de France s'était jouée, en fait, dans le Sud-Ouest. Alors, il y a un autre front, si l'on peut dire. Vous avez évoqué l'Italie tout à l'heure, là où Murat a tenté de jouer son jeu particulier. C'est ce que fait Eugène de Beauharnais aussi. Tout à fait. Qui est un petit peu oublié, parce qu'encore une fois, on concentre la campagne de France, les événements de 1814, sur la région parisienne, en gros. Alors, Eugène, d'ailleurs, qui est un personnage très intéressant. Ah oui, tout à fait respectable. Et qui s'est retrouvé dans une situation extraordinairement difficile, puisque il a Murat qui maintenant joue un jeu personnel et qui a fait passer alliance avec les Autrichiens. Il a les Autrichiens qui reviennent en force par la Vénétie, et il aurait dû fournir des renforts à Napoléon, il ne les a pas fournis. Le relais aurait été Augereau à Lyon, etc. Rien ne s'est passé de ce côté-là. Et malgré tout, Eugène de Beauharnais a tenu le royaume d'Italie jusqu'au bout, avec des moyens militaires extraordinairement faibles, parce que lui aussi, il était rentré
Russie, complètement étrillée. Oui, il avait succédé d'ailleurs au commandement à Murat. Murat a d'abord été désigné, puis c'est lui qui avait pris la suite en Russie, condition d'une retraite pour Quant le moins Quant au comportement difficile. De Murat, il est pas extraordinaire, mais là je renvoie vraiment à la grande biographie de Tullard, qui montre quand même que c'est aussi la naissance du nationalisme italien. Le fameux appel de Rimini. C'est plus complexe qu'on l'imagine. Là encore, le mot trahison ne suffit pas. Bien sûr. Ça ne suffit pas. C'est l'histoire. Il y a un dernier point que je voudrais évoquer avec vous. C'est la question suivante. Est-ce que la restauration des Bourbons en 1814 était quelque chose d'évident? Est-ce que c'était une fatalité sur laquelle tout le monde était d'accord parmi les puissances victorieuses, ou est-ce que d'autres scénarios avaient été imaginés? D'autres scénarios étaient possibles. Le plus imaginatif dans le domaine, c'est Alexandre. Le tsar Alexandre a un très bon ami, c'est Bernadotte, maréchal d'Empire, devenu prince héritier de Suède, et qui est dans la coalition, mais qui n'entrera pas en France, parce qu'il ne veut pas passer pour quelqu'un qui s'attaque à son pays d'origine. Et Alexandre a sûrement pensé à Bernadotte, qui a beaucoup réfléchi, qui s'est dit que la Suède était quand même plus reposante que la France. Il a eu raison. Il a pensé à Eugène de Beauharnais. Il a imaginé aussi, pourquoi pas, une restauration républicaine. Je viens de voir un film russe formidable, Pavel, pauvre Pavel, la mort de Paul Ier. Oui. Le premier Alexandre, c'est quelqu'un qui rêve d'une restauration républicaine. Enfin, d'une fondation républicaine de la Russie. Donc, il a très vaguement pensé que si les Français voulaient une république, pourquoi pas. Et il ne s'est rallié aux Bourbons que de la manière la plus réservée. Il n'avait pas de bonne relation avec Louis XVIII, qu'il avait d'ailleurs chassé de Mito en Lettonie, où Louis XVIII s'était réfugié. Les Autrichiens, de leur côté, beau papa, il avait quand même son petit-fils. La carte du roi de Rome. La carte du roi de Rome, donc il y a longtemps songé. Alors, les Prussiens sont nettement plus radicaux, sûr, mais ils n'aiment pas spécialement les Bourbons. Alors, finalement, on s'est mis d'accord sur les Bourbons, c'est quand même venu des Anglais. C'est quand même venu des Anglais, de la cour de Saint-James. Wellington n'était pas très enthousiaste non plus. Mais bon, c'était faute de mieux, et c'est pas une vraie restauration, parce que il n'y a pas d'enthousiasme royaliste, contrairement à une légende dorée qui montre Artois défilant dans un Bordeaux enthousiaste. C'est possible, il y a des réseaux, il y a des fidélités, il y a l'Ouest, les Chouans, les Vendéens, etc. Mais on ne peut pas dire quand même que ce retour des Bourbons suscite un enthousiasme. – C'est triomphal. – Non, c'est pas du tout triomphal. – Et de toute manière, Louis XVIII va prendre un certain nombre de décisions qui montrent bien qu'il n'est pas décidé à rayer purement et simplement tout l'héritage révolutionnaire et impérial. – Il s'est engagé à ne pas revenir sur les biens nationaux, à ne pas revenir sur les législations mises en place, le code civil, etc. – C'est une bonne partie de l'héritage de la Révolution et de l'Empire. – Un homme intelligent. – Bien sûr. Oui, alors toute cette histoire se termine alors. Napoléon va quitter Fontainebleau, les fameux adieux de Fontainebleau, partir vers l'île d'Elbe, son nouveau royaume. Et là, nous avons encore un cas exemplaire de l'imprévu dans l'histoire, car on imagine qu'au printemps 1814, personne n'imaginait qu'un an plus tard, Napoléon serait de nouveau aux Tuileries. Merci Jean-Joël Bréjon pour cette évocation de la campagne de France 1814. Oui, je voudrais rappeler donc votre livre, Jean-Joël Bréjon. C'est publié dans la collection Pour l'histoire de Perrin, Histoire de la campagne de France, la chute de Napoléon. Et vous allez découvrir plein de choses qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer aujourd'hui. Donc un livre que nous vous recommandons. Voilà. Eh bien, l'émission se termine. La prochaine fois, cher Philippe. À la prochaine fois, Catherine. Et amis téléspectateurs, à la prochaine fois.